Bon, donc je reviens à ma caractérisation d'imprimante. Je viens d'imprimer la deuxième charte et je vais la mesurer. Donc, suivant, oui, ici, je vais ignorer le processus puisqu'on avait déjà laissé sécher pendant 10 minutes là. OK. Là, je vais devoir connecter mon ColorMonkey parce qu'entre-temps, je l'ai déconnecté. Ok, voilà. Bon, eh bien, j'aurais peut-être pas dû le déconnecter parce que là, je suis ennuyé. Il considère que je ne l'ai pas imprimé. Très ennuyeux. Ok, on va faire ça. Continuer. Imprimer. Puis je vais aller dans mon gestionnaire d'imprimante ici. Ok. Suivant. Ok, suivant. Ça va. Bon, bah évidemment, vu que je l'ai déconnecté entre-temps, je dois le réétalonner. Suivant. Et je fais la mesure. Je vous fais pas faire ça. Vous serez capable de le faire. Je vais faire exprès de dévier. Et voilà, vous voyez, c'est rouge. Voilà. Voilà. Donc les deux chartes ont été mesurées et là le suivant, ça va être de faire un profil. Voilà. Ah, il m'a mis donc le nom de l'imprimante suivi du nom du papier en fait. C'est automatique. Il vaut parfois mieux faire plus court que ça parce que dans certains logiciels, le nom entier du profil ne sera pas visible. Donc j'aime autant raccourcir comme ça. Ah mais oui, mais ça peut être super intéressant aussi. Vous allez pouvoir imprimer des photos sur du papier couleur. Bon, quand on parle couleur, pas rouge ou vert, hein, du papier coloré. Et le fait d'avoir fait le profil pour ce papier-là va compenser, va faire en sorte que la photo soit le plus réaliste possible malgré qu'on imprime sur du papier couleur. Si vous trouvez du papier couleur, on peut faire un profil et on fera un test. Hein. Donc là, il est en train de créer le profil. Et donc, il sera utilisable dans les logiciels. Quand je serai dans Photoshop et que je voudrais imprimer, j'utiliserai dans la boîte d'impression le profil de ce papier-là, que si j'imprime sur ce papier-là. Ce profil, je peux vous le refiler. Vous pouvez connecter l'imprimante sur votre ordi et vous pouvez l'utiliser. Hein. Il n'est pas lié à l'ordinateur. Hein. Ah ben oui, forcément. Hein. Voilà, bon, la suite, c'est de faire en sorte que les applications ici utilisent le profil. Voilà. Alors, on peut faire ça éventuellement. Terminé.